un homme refait. Bonjour à toutes et à tous, et comme vous pouvez le constater, Katox est heureux. J'espère que ça va bien, j'espère que Project Zomboid vous plaît toujours autant. Oula putain, c'est bizarre. Oula, eh. Ah non, c'était Zarm. Dites bonjour quand même, malgré ce pseudo bonjour. Fail. Bonjour. Salut. Tu remarqueras que je n'ai absolument rien accroché, hein, malgré les apparences. Non. Moi, j'ai vu la voiture passer dans le mur. Hein. Oui, bah, n'empêche qu'on l'a pas accroché. Oui, alors, il y a quand même des gens qui ont certaines facilités, à qui on laisse passer certains avantages. Parce que moi, quand je passe à 2 mètres d'un arbre, il me saute dessus. Hein. Il traversait la route, l'arbre. Le fumier. Moi n'empêche, on m'avait vendu des voitures de course, je me retrouve avec un c'est taudis. Dingue qu'il n'y avait pas une seule bagnole, mais Riverside c'est bien coté comme ville, tu vas voir. Mais ouais. Katox il a dit qu'il avait trouvé le parking. Ah, alors Katox, t'as trouvé les belles bagnoles? Ah, on a perdu Katox. Il est en pamoison devant là. Non mais en fait tu sais là où t'as tourné à gauche pour repartir, tu tournais à droite, t'arrives au parking. Je suis en train de voir si ça fonctionne, si ça fonctionne je suis refait. Tu sais que je sais démarrer les voitures sans les clés. Hein. Est-ce que quelqu'un a de quoi siphonner une voiture? Bah je non. Je crois pas, non. Faut juste un jerrycan et je crois que j'en ai mis un dans votre coffre. Tu crois ou t'es sûr? Je crois. Mais de toute façon, je suis triste et inquiet. Ah, mais fallait lire un livre pendant qu'on était là-bas. Non mais je vais reprendre des pilules, voilà, je reprends un bêta bloquant. Alors est-ce qu'il y a vraiment un jerrycan d'essence dans notre coffre? Et donc ça c'est une rivière ça, t'en as vache pour le coup, ça c'est vraiment mal fait. Non, il y a un piano de western, mais il n'y a pas... Non. Tu peux essayer de siphonner avec le réservoir du piano. Ouais c'est ça. C'est bien Damien, il faut que je te montre. Gauche. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il faudrait pas les laisser ensemble tous les deux là, c'est dangereux, ils font des trucs. Oui. Bah ouais, c'est vrai, on devrait mettre toujours un youtubeur avec eux. Toujours. C'est vrai en plus. C'est vrai que les groupes sont pas bien faits là parce qu'ils ont la même vue les youtubeurs, donc du coup, on leur donnait pas envie d'aller sur les deux chaînes. Regarde au centre. Oh! Il y a les clés. Non! Et il y a de l'essence dans le véhicule juste au-dessus. Ah merde! Attends, je vais couper le contact histoire d'être sûr qu'on faut qu'on trouve un jerrycan. Il y a du stock là-dedans? C'est quoi que vous avez trouvé comme bagnole? Une bagnole bizarre. Ah, une Clio, on a trouvé une Clio. Non, je ne crois pas du tout. Une Clio. Attends, j'ai ouvert pour voir. Ah ouais, ah bah ouais, ah bah oui. On va voir passer un gros cabriolet là. tout de suite, hein, le pick-up il est tout pourri, hein, Damien, on voit bien. Ah bah là ouais y'a mieux, effectivement il a raison hein. Ah, ils sont en train de tirer à pile ou face pour savoir qui ramène le pick-up. Bah non mais tu sais que sur cette bagnole que j'ai là aussi y'a de... Ah, y'a pas d'essence mais pareil y'a les clés. Ouais mais il faut... Non mais c'est pas aussi bien hein. Faut un jerrycan quoi. Ouais. Je vais essayer de voir si dans toute maison là-bas y'en a pas hein. Hey, normalement une maison de riche comme ça ils doivent avoir un garage quoi. Ouais ça, des outillages merde. Attends qu'est-ce que c'est ce bâtiment là. Ah, club ouais, de golf. Je vais faire demi-tour, Stan, je crois. Hein. Pourquoi? Parce que t'en penses, hein, pour retourner les voir. Non. Oui, parce que boîtes de tremblons. On va dans une ville. Foutez-nous la vie. Trois bâtiments voilà. À fouiller. Moi, je vais t'emmener dans un endroit où on peut faire l'une des plus belles bases du jeu. Une maison de retraite. Je pense que ça enlèvera pas ce que les viewers ils ont envie de voir ce qu'on est en train de faire et ce qu'on a vu. Hein. Mais non, mais vous avez trouvé une Clio, tu m'as dit. Oui, c'est vrai. C'est sûr que tu es naïf. On a couru trouver un cours de service. À côté de la Clio. Je suis le petit chemin, peut-être qu'il y a peut-être une maison au bord de cette mer. Ouais, non, mais il faut trouver un jerrycan. Hein. Bah, je suis d'accord avec toi. Quelle cette caisse, putain. Et nous, on en a plein des jerrycans. Ouais, mais toi, t'es comme d'habitude, tu mets tout chez toi et puis rien chez les autres, quoi. Et quand j'ai vu les caisses, je me suis dit. T'arrêtes-toi. C'est bon, c'est arrêté. De toute façon, on ne partira pas d'ici sans jerrycan. Donc, non, fermé. Encore une fois, les voitures maintenant. Bon, celles-là, elles ont l'air en mauvais état, mais
En même temps, ça nous empêche pas de les prendre. Hein. Tout ce qu'il faut, c'est de l'essence. Oui, bah on est au courant. Ça suffit un peu, hein, bordel. Ouais. Y'a qui cherche là, hein. Moi j'ai deux montres et elles indiquent la même heure. C'est fou. C'est un truc de taré. Ça. Totalement improbable quoi. Bon, rien trouvé Katox à ce moment là. Je suis en train de checker. Donc n'hésitez pas à aller voir à la quête d'un jerrycan d'essence sur la vue de Katox. Ouais. Non mais si on est bien organisé, il y a deux youtubeurs, on est quatre et les deux youtubeurs sont ensemble, quoi, voilà. Mais c'est pas grave, on participe à votre conversation. Nous on arrive en ville là, alors, on y est dans 30 secondes. Alors si jamais vous êtes sur la vue du signe, n'hésitez pas à aller voir la vue de Slan, histoire d'avoir un petit peu de changement entre les deux vues, hein. Ouais. C'est-à-dire que vous serez décalé un peu plus à gauche ou un peu plus à droite de 1 ou 2 cm, ça change tout, hein. Et ça change tout. Bah c'est vrai. Et pourquoi t'enregistres pas? On sait que tu peux le faire. Ah c'est vrai. Mais ah, elle est belle cette bagnole là, on dirait un corbillard. Ouais, je suis assez d'accord. On dirait un corbillard, pas qu'elle est belle, hein, parce que bon. Les gens vont pas aller voir trois vues non plus différentes. Autre chose à faire de leur vie, enfin j'espère pour eux. Trois fois le même truc. Ouais. Déjà deux fois moi j'y arriverai pas hein, perso, mais bravo à ceux qui le font. Bah t'as à dire que toi tu l'as déjà fait une fois en plus. Hein. Oui, non mais donc moi je regarde même pas, hein. Je passe en vitesse mais je regarde même pas les vidéos. Ah, pas. Je vais où là? Tout droit. Non mais qu'est-ce que c'est que ce GPS de merde? Ouais, c'est sinon Katok, j'essaie de repartir en arrière, il y avait peut-être une maison ou deux, peut-être je pense que c'était à droite, ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'on va revenir vers la mansion là. Ouais, là on va faire le tour, on va revenir au mansion et en arrivant là, on va nous donner un jerrycan. Voilà, vous amène un jerrycan. Ouais, si vous nous amenez un jerrycan, hein. Je vous attends à l'entrée, tiens. De toute façon, on va être en panne d'essence, je pense. Quand on aura fait tout le tour. Qu'est-ce que j'arrive. C'est que cette rue à la con quoi. Ah, il y a des maisons là. Non mais j'arrive. Allez, voilà la rue principale à gauche. Youpi, ça y est, on y est. T'as vu le quartier bourgeois là? Ouais, je vois. Ah, il y a un espèce d'immense centre commercial là. Ouais, ça y est, on est arrivé là. Alors, à gauche et ces deux bâtiments plus loin. Sinon, j'ai pris une route à l'intérieur de la propriété qui a l'air de faire le tour Katox, je sais pas où ça mène. Alors, il n'y a pas de sortie, je vous préviens tout de suite. Non mais peut-être que ça amène vers l'arrière. Ouais, il y a des belles bagnoles quand même. Hein. Ah, je me suis pris un arbre. Ça fait mal. Avec la nouvelle bagnole. On la verra jamais. Non, c'est l'ancienne toujours, mais bon. Ouais, tu te débarrasses direct de l'ancienne. T'essaies de la cramer, on t'a vu. J'arrive à un autre parking où il y a une bagnole. Alors là, on sait jamais. Non, c'est un l'air d'être un truc de bouffe. Ouais, je me demande si on n'est pas, trop en arrière en fait. Voilà, à droite. Très bien, ouais, c'est ça. Parce que je pense que c'est deux rues, ouais, voilà, deux rues plus loin. Ah, on se rééloigne là. Là, il y a un bâtiment ici. Mm-hmm. Oh, une belle chose ici. Ça y est, sans déconner, j'ouvre une bagnole. Le seul truc qui est à l'arrière, c'est une balle de golf. Ah, bah, ça mentionne. Hein. C'est un carte de golf. Hein. Regarde, il y a un beau pick-up là. J'imagine tout ton coffre, t'as la vieille balle dedans. Posé en plein centre, tu vois. Ouais, en plein centre, elle est pile bien nickel. Alors, un peu déçu de trouver qu'une seule bagnole sur le parking, déjà. Ça, c'est le genre de boutique où on trouve des grands sacs de randonnée. T'en as? Ouais. Non! Des bouchons, des pleurs au tir, du sucre. Coup, du sucre. J'arrive tout de suite. On sert de carottes, on ramasse. Et regarde, en plus, je suis arrivé pile au parking. Je crois. T'es sûr que c'est bon? Moi j'entends rien donc t'es sûr que c'est bon? Ah, tu veux que je klaxonne? Bon, bah y'a rien ici. Ouais, par contre, c'est marrant, je suis passé en voiture à côté de la flotte et en fait, j'ai voulu foncer dans la flotte pour voir. Et en fait, non, j'ai rebondi dessus, je me suis cogné comme si c'était un arbre. Bah, la flotte, c'est un arbre. On va pouvoir prendre la chevalier. Merde, c'est pas ça. Ah, bah super. C'est bon, en tout cas, j'ai trouvé la route où y'a la route du centre-ville. Ah non, y a pas d'essence. Tu m'entends toujours pas, Katox? Ça me rassure pas, ça. Non, ah, c'est pas. Dommage, y a pas d'essence par dans contre, le camion TV. J'ai trouvé un autre parking. C'est oula, bon. Mais je suis où là? Zut, il s'est perdu. Bah, je suis sur un endroit où y a plein de garages, des portes métalliques et tout. J'arrive, Flan, j'arrive.
Ah ouais, parce que t'es parti avec la clé. Ouais, j'ai essayé d'utiliser l'autre bouton et derrière moi, qu'est-ce qui se passe? Non, mais il est loin. Bah oui. Tu l'as attiré, j'ai bien vu. Bah c'est bon, j'ai trouvé le chemin en tout cas, j'ai retrouvé. Quand tu pourras démarrer. Je sais pas où je suis, Katox, toujours sur la propriété. Au stop à droite, ou à droite tout de suite. Il y a des bureaux. J'ai gardé un jerrycan plein. Tout droit. Et à droite, et ça y est, on est dans la rue principale, et on va pouvoir arriver. On va pouvoir arriver à Enigma Book, par contre il va y avoir du monde. Police. Ouais, la police, ouais. Et là il y a une station. Attends, stop. Reviens en arrière. Bah, tu veux qu'on fasse le plein? Bah oui. Non? Oui, ça se fait. Et puis qu'on mette un ou deux jerrycans d'essence dans le coffre de la bagnole, tant qu'à faire. Oh, la belle bagnole! Une bagnole de pompier! Attention, je t'ai pas arrêté. Pourquoi? Oh, je suis tombé dans un endroit, il y a des grands réservoirs type sport et tout. Vas-y, je le chope. Oh, ah bah, jerrycan d'essence, voilà. Des portes. Des portières. Fucking zombie, il vient pas, je suis en train de. Des suspensions, un chargeur de batterie, des batteries, il y a des batteries de bagnole aussi. Et donc, à la sortie de mon parking, t'es parti quoi? Sur la droite ou gauche? Bah, je suis pas passé par là en fait, donc. Oh shit. Non mais attends, je vais arriver, hein. je vais revenir. Je finissais de fouiller l'endroit là. Bah là c'est bien de savoir, il y a des trucs de bagnole, mais bon. Je me casse, j'arrive. Enfin, j'ai trouvé un parking là, avec un zombie mort dessus. Ah, j'ai trouvé un parking avec une voiture bleue, c'est ça? Ah, ouais. Bah regarde, il y a une balle de golf dans le coffre. Je pense qu'il y en a pas deux comme ça. Hein. C'est repérable au moins. Il y a une balle de golf dans le coffre. Ok, bah attends, j'arrive alors. Ah, des sacs poubelles, allez hop. On prend. Je suis tellement en train de faire n'importe quoi avec mon véhicule pour fêter ça, quoi. Je me suis cogné à plein de trucs. Par contre, ça fait mal de se cogner aussi. Faut que je fasse gaffe quand même. Ouais, et à la voiture aussi. Hein. Ouais, mais la voiture, je m'en fous, on va la virer. Ah, j'ai envie d'arriver à klaxonnant pour fêter ça, mais je vais pas le faire. Si t'as soif, y a plein de sodas. Hein. Ouais, j'ai une légère soif. Voilà, des jerrycans d'essence. Ah bah je suis arrivé à ton parking où on était. Le parking d'origine. J'arrive. Non, c'est bon, je suis la route, j'ai compris comment où ça mène. Ouais, je pense sincèrement que les viewers sont très contents de pas être sur votre vue. Bah je suis pas sûr. Un jerrycan d'essence plein. Là. Ah, de la crème. J'adore les crèmes glacées. Je peux si pas vous empêcher voir, de manger à chaque fois. Slan manger une. Oh là là, le bonheur. Ouais. Et le plein est fait. Oh, le plein est fait, tout. Comment ça fait? Je suis tombé pour la peine. Tellement en plein. Tu l'as fait le plein? Oui, je l'ai fait le plein. T'inquiète pas. T'as pris ce qu'il y avait dedans? On va à la librairie. Je suis en train de faire un tout transféré et puis je ramasse. Je vais rentrer transféré. Hop, voilà. Ouais, t'as raison. Je crois que je vais faire la même chose. Ça va être un de ces bordels quand on va arriver là-bas. Qu'est-ce que tu fais, mec? Tu rentres de l'autre côté, d'accord, très bien. Ok. Hop là, démarre voiture. Alors, du coup, on reprend la route. Ouais. Hop. Bah, jusqu'à Enigma Book. Oh là là, les belles bagnoles. Oh là, t'as vu la blanche? Ouais, j'ai vu, ouais, la blanche. Hugo. Non mais. Hugo push. Ils peuvent pas test. Je te laisserai un peu conduire, hein, Katox, quand même, que tu conduis. Bah pour l'instant, c'est ma voiture, c'est moi qui ai les clés. Tu vois là, le bâtiment, c'est. Ah ouais, d'accord, très bien. Ah ouais, ouais. Oh, c'est quand même moi qui ai. On peut pas se affronter au truc. Ouais, ouais, mais tu démolis. Enigma Bush, je suis resté avec toi quand même. Il est là. C'est vrai. Alors voilà, attends, j'arrête la voiture. Je serais pas parti sans cette voiture. C'est bon, elle est arrêtée. Bah, y'avait de quoi, hein. Ah ouais, t'as carrément fermé la portière pour pas que je puisse rentrer, c'est ça? Non. Ils sont sur la bagnole là, faut les nettoyer.
Et après cette phrase, tu vois Slan qui arrive, qui nous renverse tous les deux avec la bagnole et qui pique notre... et oui, on était, était cachés dans la forêt en fait depuis le début. Ouais, c'est on était prêt à vous sauter dessus. Mais. Tiens, lui il est tout seul là. Oh putain, fumier. Oh, ils sont trop nombreux hein. Oh, ils courent tous en plus. Attends que tu finisses de transférer, je reviens. C'est bon. Tiens, toi tu t'es un petit peu isolé. Merde. Tu gardes les clés ou pas? Slan, quand il pique les choses, c'est pas à moitié. Il va jusqu'à piquer le tabouret du piano. Qu'est-ce que tu fais, putain, mec? Sois pas con. Ah! Attends, tu l'as pas tué. Voilà, pas mal ça. Ah, c'est ouvert. On va fermer du coup. Ouais. Du coup, on va fermer. Bon bah faut ouvrir hein, tant pis hein. Je prends n'importe quoi avec la cuisine hein. De toute façon au pire tu reviens hein, c'est vite fait hein. Ouais c'est vite fait ouais. Ah la cuisine niveau expert. Non putain c'est Yaya, tu l'as? Non c'est pas le bon. C'est celui du dessous qu'il nous faut. Et me revoilà. Je disais tu veux pas garder les clés de celle-là ou quoi d'autre? Pourquoi faire? Je sais pas. Je veux pas revenir la chercher. Hein. D'accord. Bon, puis au pire, les clés sont sur le contact. Ça pourra voilà, les clés sont sur le contact au pire. Alors, ce qu'on va faire, c'est. Hop. C'est fou. La cuisine niveau maître. Putain, mais c'est un truc de dingue ce livre quoi. Et je l'ai pas trouvé. Hein. Il y a d'autres endroits où il y a des bouquets en face, donc je vais y aller. Ouais, je l'ai pas trouvé non plus. Allez, fais-moi rêver, Katox. Ah ouais. Yeah. Je t'ouvre une porte des... Ah ça j'adore ce sol là. Mais qu'est-ce qu'ils ont? On peut sortir par là? Ah ils s'amusent avec ouais, la voiture. Ouais. Ah bah oui. Oh c'est quelque chose hein. Bah arrêtez, moi aussi j'ai trouvé une petite bagnole. C'est que des jouets ici. Ah, y'a un magasin de meubles là. Oh putain, y'a plein de zones. Du coup, le retour va être plus sympa. Hein. Enfin, non, il sera chiant quand même, mais. Bah, on vous remercie de nous avoir couvert en tout cas, de nous avoir assisté, aidé, d'avoir ouvert les bibliothèques pour qu'on ait plus de chances d'avoir des bons livres. Mais de rien. Non, mais il a raison, on pouvait pas passer à côté de ça. Non, mais y'a intérêt que ça envoie du rêve, hein, du coup. Hein. Ah, bah ouais, hein. Et puis du coup, on va être obligé de la prendre pour la monter aux viewers régulièrement, hein. Si je vous laisse les clés. Il va falloir. Tiens, est-ce qu'on peut récupérer les lampes dans les lampadaires pour l'autre carte pas de râler, là? C'est vrai, c'est pour tirer l'ampoule, allez hop. Je suis dans les bureaux. Mais il n'y a pas du tout de bouquins dans les bureaux, hein. Si c'est un truc de jouer. Ouais, c'est le truc qui est ouvert, ouais. Oh là là, c'est la dèche. Bon, bah, tant pis, hein, je vais devoir me monter ça là. Et puis on te ramène ton piano, Slan. Qu'est-ce que je te plains? Ouais. Ouais, c'est bien ça. Tu crois qu'on en a tiré quelques-uns? Je crois aussi, ouais. Il y a une pâtisserie ici. On va voir s'il n'y a pas un livre de cuisine. Le manoir dedans. Faudra oublier, je crois. Non. Quoi, vous avez klaxonné histoire de dire? Non. Ouais, oui. Un petit peu. Un petit peu. Léger. Ah, faut électricité 3 pour prendre tes fours. Ah, ben écoute. Je chasse, je tire, je pêche, je vois la nature tout autour de nous. Ah ouais, bravo. C'est un fou. Elle est pure, claire comme Dieu la voulait. Ah. Ah, c'est un extrémiste. Ça fait longtemps. Tu m'étonnes.
Bon, bah moi j'irai. Je suis en train de te. D'essayer de te prendre des frigos. Ah, du coup, je ramasse des un petit peu de bouffe à droite à gauche. Mais bon. Ouais, oh. Moi j'ai pris plein de bouffe. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est mieux. Et je reviens parce que là je suis à 40. Ce message était approuvé par le Parti Républicain. C'est par là ? Je sais pas. Je crois pas. Je pense qu'on repart en arrière là, on rentre à la maison. Un sac pour. Mais de toute façon. Attends, on repart nous, c'est ça ? Bah, je pense là, non. À la fin, allez. Quand on arrivait à la première ligne jaune là, pour aller au. On venait. Ah oui, on était remonté, je crois. Ah, il faut que tu partes. Sur la. Sur la gauche quand tu sors du. Enfin, quand tu passes la rivière, la con. Hein. Qui ressemble pas trop à une rivière. Du coup, c'est le bon côté, Damned. Ouais, ouais, ouais. Ok, c'est bon. Vache, qu'est-ce qu'il fait noir. Sinon, on est parti pour un long retour. Bah, de souvenir, c'est par là que je suis arrivé à l'aller. Bah, hein. Ça serait bien, sinon, de venir nous aider et on fait des pavillons jusqu'à ce qu'on trouve ce fichu livre. Et vous êtes où? Ah! Déjà. Parce qu'il y a pas mal de pavillons ici et c'est des pavillons haut de gamme dans lesquels on trouvera beaucoup de livres. Hein, quand donc, on y va, le signe. Donc, quand on sort. Donc, faut en voir. Attends, je comprends pas là. Je vais prendre le volant. Attends, ça doit encore être moi qui ai les clés. Je rentre et je te les fous dans la boîte à gants. Merci. Alors, en sortant du manoir, fallait partir à droite du coup? Non, à gauche. En sortant du manoir. Et après, on fait comme si on rentrait à la maison. Dans la boîte à gants. Merci. Non, non, à gauche quand tu passes la rivière là. Ok. Bah. La rivière. Le pont pourri là? Le pont pourri, ouais. Je suis pas sûr que ce soit par là du coup. Bah c'est pour remonter jusqu'à Riverside, on est bien d'accord. Mais je t'ai pas arrivé par la gauche moi? À l'autre côté? Ouais, je sais plus. Ça te rappelle ça? Moi, je ah le taxi sur la route avec une voiture blanche, ça me dit rien. Ah ouais, on s'est arrêté à côté de celle-là je crois, elles étaient fermées. Vous devez probablement être sur la bonne route du coup. Ok, très bien, si vous le dites hein. Par contre c'est désespéré de la capacité de transport, on est full de chez fou. Hein. Ouais, parce que c'est pas qu'on a un piano de western, mais bon. Voilà la zone pavillonnaire. On cherche à lire à choper un livre quoi. Comme réussir c'est à choper fou, ça, un hein. Livre. Putain, puis il fait tellement noir, je vois rien quoi. Ah putain, y'a plein de zombies qui sortent. On a du popcorn à moitié prix. Wouhou! Ah, mais moi je vois même pas les zombies quoi. Là c'est trop loin pour moi quoi. Je sais qu'il y en a un devant, mais je le vois pas. Recule, 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 recule! Ah putain de fumier, je me suis fait mordre. Non! Non! J'étais égratigné. Ah bah ça va, t'as 75% de chance de pas mourir. Ça va, il est gratiné. Il me faut des vêtements du coup. Ouais. J'arrive, je te file mes vêtements. Ah bah si t'en as, ouais, ça m'évitera de déchirer. Voilà, je les ai posés par terre, je vais retenir les zombies. Et il y a du whisky dans le coffre. Ah, j'ai entendu un couteau qui casse, non? Ouais, c'est vraiment pas le bon moment pour qu'il casse, mais oui, il a cassé. Sinon, on sait toujours pas où vous êtes. Faut désinfecter avec le whisky? Ouais. Ouais, ouais, tu peux désinfecter avec le whisky. Bon, bah, trop tard du coup, mais je savais pas, mais c'est intéressant. Une voiture bleue et une voiture rouge. Putain, ça vient d'où ces bruits là? T'es rentré, c'est bon, c'est nettoyé? Ouais, je suis rentré dans la maison, ouais. Oh, ok. Il y a une bibliothèque ici. Qui est vide, putain, sérieux. Ah les mecs quoi. Mais tout est vide ou quoi? Ah ouais, elle est complètement vide cette baraque, c'est ouf. On a réussi à tomber sur la baraque en déménagement quoi. Attention, il y a un zombie derrière toi. Ouais, ouais, je l'ai vu, ouais. Te fais pas mordre. C'est bon. Attention, ça rentre. Attention, ça rentre. On va à la maison seulement. Ah mais c'était tes vêtements, putain j'avais pas peur. Bah oui c'était mes vêtements. Oh là, oh là, oh là. C'est sûr que tu vas les retrouver. Bon après on a le bon véhicule pour aller le dépanner s'il y a quelque chose qui va mal. Mais... Ouais c'est ça, mais bon, quand même quoi. La cuisine niveau intermédiaire. Ah c'est 3-4. Pas mal, ça.
C'est ça qu'il te faut ? Ah non, 3-4 c'est celui qu'on a déjà. Moi c'est 4-5. Non, mais arrête. Est-ce qu'on suit la ligne jaune ou est-ce qu'on... Je suis un tournant. Un croisement. Un croisement, soit une route avec des bordes blanches, soit une route avec des lignes jaunes. En masse. Je crois qu'ils sont dans la merde là. Non, non, ça va, mais à part le fait qu'il est mourant, mais sinon... Bah d'où l'intérêt de savoir où est-ce que vous êtes. On est dans la zone pavillonnaire avec des petites... Non mais attends. Il y a deux, on a un croisement de route. À droite, c'est il y a pas de ligne et il y a des bordures blanches sur les côtés. Et l'autre, il y a pas de bordure blanche et il y a une ligne jaune continue au milieu. Oui, bah tu sais, il y en a un peu partout des routes comme ça. Moi, je l'ai pas suivi. Ok, c'est vous êtes dans la banlieue pavillonnaire, c'est bon, c'est vers le nord. On est dans la zone pavillonnaire avec les petites barrières blanches. Je pense ah mais t'as raison, j'avais pas vu qu'il y avait une carte Michelin dans le. Voilà, dans la boîte y a à gants. Carte Michelin dans la boîte à gants. Tout de suite, hein, si tu profites pas des avantages du jeu aussi. C'est ça. Oh, enfin, Michelin, elle est belle cette maison. Michelin. Michelin, ya. Michelin, ya. Ya. Ok, on est dans une route pavillonnaire. C'est pas celle-là du coup. Ah. Putain, mais sans déconner, des bibliothèques vides quoi. Faut arrêter les conneries. Est-ce que vous êtes en face d'un grand bâtiment, une école, je crois, c'est une école. Moi, là, je vais te dire, on est dans un pavillon qui a un garage inclus, c'est très rare, et qui est cerné de petites barrières. Ah, il y avait un cadavre de zombie sur la route avec une traînée de sang. Cool. Vous êtes dans la dans le pavillonnaire avec un rond-point au centre. Attention, ça rentre là. Derrière toi. C'est ah. Oh là là, oh là là. On va avoir notre voiture sur la route. Hein. Ouais, ouais. C'est fait. Ouais, ouais, allez, on y va, il y a une intervention là. Vous êtes dans la première maison. Le tas de zombies quoi. On est dans la deuxième. Il y en a encore un là. Pas celle-là du coup. Non. C'est pas celle qui est brûlée non plus. Alors attends, vous avez trouvé la voiture là ? Oh, y'a un fusil à pompe. Vous êtes pas dans la maison qui est brûlée. Je retourne devant la voiture. Ah, je vous vois. Y'a une voiture garée devant la devant notre voiture. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une ambulance ? Bah ouais ! Nice ! C'est notre véhicule ! Nice ! Ah, je vois rien du tout quand je suis. Mais bonjour monsieur, c'est vous qui avez appelé pour l'intervention Et normalement il y a des médicaments en plus, vous pouvez peut-être le soigner. Ouais, il y a des bandages dans le fond. C'est bon. Attends. On va se faire cela là. Allez, pan. On rentre dedans, il y a des bandages, c'est ça le Non, y a rien. Dans le coffre, il y en a un. Ah mais putain, mais il y a trop de zombies, quoi. C'est le bordel quoi. Attends, t'inquiète, vas-y. Je vois que dalle, c'est un peu le drame là. Là, regarde, voilà, hop là. Ah merde, attends, j'ai fermé. Attends, à chaque fois je me fais avoir avec ce coffre là. Ah donc c'est pas une maison où il y avait rien en fait les gars, c'est une maison qui a cramé. Ah j'ai gagné un niveau, je croyais que j'allais mourir mais non en fait j'ai gagné un niveau. Les mecs ils sont là, ils voient rien, tu sais, ils ont aucune vue. Bah de toute façon ceux qui regardent ma vue ils voient rien. Alors bêta bloquant, non, bandage adhésif, c'est pas mal ça. Est-ce que quelqu'un pourrait ramener ça, c'est des étagères métalliques. Vas-y, envoie. Pourquoi t'es à poil toi? Qu'est-ce que vous avez fait? Des bandages. Allez, j'ai obligé de m'enlever mon bandage. Ouais ouais. Il faut que je les pose en fait direct dans la bagnole parce que. Tiens, t'as une jupe par terre si tu veux. Y'a plus de place dans le coffre. Eh bah, ben j'ai posé y avait par une terre. Bouteille de whisky, y'a pas du tout de bouteille de whisky dans le coffre, tu m'as arnaqué. Ah bon? Bah regarde dans le siège arrière. Qui c'est qui a eu un bruit de. De crrrr. Ça peut pas être moi, je suis dans la voiture. Bah sinon j'ai un chiffon stérilisé sur moi, mais j'en ai qu'un. Non, mais je me désinfecte au whisky. Pas de stress. Ouais. Il faudrait récupérer les deux étagères. Ah, y a le piano. Je peux en mettre une dans ton coffre et en garder une sur moi. Ah bah écoute. Tiens, attends, regarde l'autre. Je pose un pied de biche et je peux prendre l'autre normalement. Mais On peut la mettre dans ton coffre. Hein. Non, mais je vais la mettre dans mon sac. Ouais, mais on pourra quand même la mettre dans ton coffre. Je suis quasiment vide, hein. j'ai deux sacs sur moi. Donc. Moi je suis vide aussi, hein. J'ai de la place. Hein. Allez, quelqu'un vient avec moi faire la maison suivante. Hein. Attends, parce que je me vis. Du coup, je vais la déposer dans le fer. Tu pars un peu vite, donc c'est dur de te suivre. D'accord. T'es où? Bah, moi je viens d'arriver, oui, voilà, bah, c'est ça. Il s'en va, viens faire la maison. Ici, ouais, ok. Ici, là. Au bout. Hop, c'est plein. C'est bon, là, sur la petite place, là, ok. Parce que c'est la nuit, on voit pas grand chose. Hein. On va faire celle-là. Je vois que dalle. Hein. Je sais même pas où vous êtes. Tu descends en bas, tu suis
Je crois que t'as là, pas idée d'à quel point je vois que dalle. C'est assez ouf quoi. Ah, là je vois Katox quand je me tourne vers toi. Voilà, suis-moi, tout doucement. Mets tes mains sur mes hanches. Ah, c'est exactement ça quoi. Ça y est, je vais ouvrir la maison, il y avait une... J'arrive, j'ai vu où t'as ouvert. Ouais, voilà. Par contre, je voudrais pas dire, un truc qui nous manque, que à l'occasion serait bien que tu prennes, on n'a pas de boîte aux lettres. Et ce serait embêtant pour le courrier, quand même. Ouais, de vous. Parce que j'ai fait des commandes Amazon et... Oui, bah ouais. Et j'attends un petit peu. Ah, une lampe torche, ça va peut-être m'aider, ça. Ici, j'ai des vêtements, Stan. Pourquoi faire? Bah, je pourrais peut-être avoir froid, un pantalon, un pull vert. Pareil, non, là, dans la maison, il y a des vêtements. Hein. Je suis obligé de rester tout nu. Ah ouais. Depuis que vous avez dit à tous les gens de se désabonner de ma chaîne. Ah oui, c'est vrai. Ah, ça joue. Quelle biche. Si. Mais l'autre, il me pousse ouais. Et puis il prend les affaires. Le minuteur, j'en ai besoin. Oh, je suis arrivé à le frapper à travers. Alors, la vitre, elle est pas pétée pourtant. Ouais, bah bravo. Mais comment j'ai fait ça? T'as trouvé le bouquin? Ça a pété ma hache par contre. Je trouve pas ce divan. Trouve une batte de baseball. C'est absolument c'est le niveau 5-6 que tu cherches. Hein. C'est 5-6, ouais. C'est bizarre d'ailleurs, le petit biche en forme de batte de baseball, c'est concept. Hein. Il me manque un petit skin, les gars, pour. Ouais. Ouais, il y a des vêtements dans le lit, dans la chambre éventuellement. Des balles. Moi, j'essaye de monter un peu en électricité puisque je peux pas prendre tes fours. Bon, ce que je vais faire, je vais partir visiter une maison devant, comme ça. Ah, on y va. Non, mais je vais faire tout seul parce que comme ça, si j'ouvre, comme je suis chanceux, vaut mieux que je sois tout seul dans la maison. Non, ça change rien, c'est lui qui ouvre l'atelier. Il y a un jeu vidéo. On peut rien en faire. Bah oui. Sauf que si tout le monde ouvre tout, bah je peux pas trouver des trucs. Non, mais moi, j'ouvre aucune bibliothèque. Oui, bah toi, peut-être, mais. Bah, de toute façon, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on arrête l'épisode là. Donc, du coup, on va arrêter l'épisode là et espérer survivre. Hein. Enfin, surtout moi. Bah, t'as une bonne chance de survivre. Ouais, mais je vois tellement rien, c'est le drame quoi. Ah, et gratigné ça y est. Ah, mais Slan, je pensais que t'avais vérifié avant, bordel. Non, bah non, j'ai pas vérifié. Alors. Je croyais que t'étais parfait, moi. Bah, j'ai vérifié après. Ouais, bah, je vois ça et moi je t'ai suivi comme un gros con. Bah, oui, ça c'est con ça. Du coup, vous êtes blessés tous les deux, c'est ça le concept? Bah, ouais, il est passé rien, par une rien, fenêtre. Attends, j'enlève le verre. Voilà, c'est bon. Ouais, vaut mieux, ouais. Il y a même du désinfectant là. Ouais, il y a des bibliothèques, je vous laisse les ouvrir du coup. Ça là? Ouais, on a dit au revoir aux gens ou pas encore? Non, on n'a pas dit au revoir aux gens, j'ai pas coupé encore donc. On peut. La cuisine pour les nuls. Bah, au revoir les gens et pardon. Salut les gens, salut. Nous on continue à jouer, hein, par contre. Ciao, ciao. Bisous.